Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo achat. Oui. Donc, il y aura du Action, Zimane et BM. Si vous avez suivi nos péripéties, vous savez ce qui s'est passé juste après les boutiques. Je vous invite à aller dans le vlog pour ceux et celles qui n'ont pas vu. Sacré péripétie quand même. Bon, je vais commencer de suite par Action. Du coup, on y allait. Juste un truc précis, les Twix. Voilà. Parce qu'il aborde les trous. Mais sinon, pas grand-chose. Et en fait, finalement, on est ressorti pour 55,39 €. On va commencer pourquoi on est allé. Voilà. 4 paquets. Voilà. Du coup, là, j'en ai 3. J'en ai un qui est au frigo déjà. Niveau bouffe, j'ai pris ça. Moi qui adore les bounchis, je pense que j'ai vachement aimé. Ça, je sais plus combien c'était, mais je vous dis pas les prix. Je pense que vous avez l'habitude, sinon ça va mettre trop de temps. Donc les Twix, les bounchis. Et pour Juliana, un petit Toblerone parce qu'elle adore ça. Voilà. On a fini avec la bouffe sucrerie. Niveau bouffe qui valait trop le coup, on a pris le ketchup. Voilà. Hens, je sais plus combien c'était ça. 3,95 €. Et vous voyez la taille du truc, quoi. Je vais en avoir pour une vie parce qu'on adore le ketchup. Et pour Juju, on a pris la mayonnaise toute prête pour quand on a la flemme de la faire. Mais vraiment, ça valait trop le coup. La mayonnaise, je pense qu'elle était à peu près. Il était à 2,95 € la mayonnaise. 1 € d'écart, mais en même temps, lui, il est 1,5 kg. Je peux vous dire quand on va en bouffer de la mayo, mais on adore ça. J'y suis allée aussi pour prendre quelques trucs ménagers. Donc, vous savez que je prends toujours celui-ci. Voilà, j'aime plutôt bien. Par contre, il ne faut surtout pas appuyer sur le flacon parce que ça passe à travers. J'ai repris du vinaigre ménager, mais à la lavande parce qu'il n'y avait plus eucalyptus. Donc, ça, c'est moins d'1 €. J'ai repris un déo pour les WC. Vous savez que je prends toujours la même chose. J'ai pris vanille orchidée. Voilà, j'aime trop les trucs comme ça. J'en prends un chaque fois que je vais à l'Action. Et j'ai pris du finish, voilà, pour mon lave-vaisselle. Je le fais une fois par mois, c'est à peu près. Et sinon, je mets du vinaigre quand j'ai pas ce produit. Mais j'aime bien avoir ce produit de temps en temps. Ça, par contre, c'est pas donné. Ensuite, j'ai pris pour les filles. Alors, pour Sérène, j'ai pris des petits stickers Peppa Pig. Elle adore Peppa Pig. Donc du coup j'ai pris ça, elle était trop contente, ça c'était moins d'1 €. Et bon elle va m'en coller un peu partout, mais bon, voilà, pour lui faire passer un moment, une après-midi dans les week-ends, vous savez, comme il va faire pas beau dans pas longtemps, ça occupera. Pour Juliana, et pas que, j'ai pris des petits cœurs comme ceci. Alors c'est comment ils appellent ça, eux? Des autocollants feutres. Voilà. Donc il y a des cœurs rose, violet, ça c'est quoi? Fuchsia et rouge. Je me dis pour faire des petits décos de Noël. Des fois, on fait des petits cadres personnalisés pour les menus ou quoi. Et elle pourra coller ça. Ou même pour toute l'année, ça peut être super. Et je l'aurais pris. Alors là, c'est ouvert parce qu'elle a dû en prendre, je pense. Je ne sais pas. Donc là, pareil, je crois que c'était même pas 80 centimes. Bon, mais du coup, elle est ouverte. J'ai pris des petits trucs comme ceci. Vous voyez? Voilà. Et en fait, si je comprends bien, elle peut faire tout ce qu'elle veut avec. Voilà. C'est des conneries, mais bon, ça, ils adorent les petits. J'ai pris ça et j'ai pris des comme ceci, ici. Voilà. Donc là, c'est un peu comme ce que j'ai pris la dernière fois, des fils chenilles. Mais un petit peu plus fêtes de fin d'année, on dirait. Il y en a 50 par paquet. Donc, eux, ils appellent des clitter chenilles. Voilà. Il y en a 50 par paquet. Donc, pour faire des petites décos pour Noël. Pour faire des petits cadres, quoi, ça sera super sympa à offrir. Elle aime bien faire ça, Juliana, faire des petits trucs. Ensuite, des achats pour Noël, enfin, un calendrier de l'Avent et un achat Noël. Parce que je me suis dit, si j'y retourne et qu'elle n'y est plus, j'aurai un peu la mort. Donc, du coup, je l'ai prise 6,49 €. Voilà, donc ça fait un peu cher pour du Action quand même, mais c'est trop stylé. Voilà, un petit traîneau tout en palette et des LED en dessous. Donc ça va être trop cool. Et j'en ai vu un autre chez BM que j'ai pas encore acheté, qui est encore plus magnifique que celui-ci. Donc voilà, je suis trop contente. Voilà. Donc là, j'ai mis des piles rechargeables. Mais bon, du coup, j'ai enlevé mes piles rechargeables. Et c'était juste pour vous montrer que ça s'allumait. Et franchement, trop sympa.
Donc je pense qu'on va faire une super belle déco, vous voyez, parce que moi c'est tout un peu bois tout ça, donc je pense que ça sera super beau. Et pour Johanna, je lui ai pris un calendrier de l'Avent princesse, il était à 15,95€. Tadam! Elle était trop contente, elle voulait limite l'ouvrir maintenant, j'ai dit c'est pour décembre. Donc du coup dedans, je vais vous montrer. Voilà les petits trucs. Donc en fait c'est beaucoup de choses pour le bain. Il y a des boules pour le bain, il y a des bains moussins, du gel douche, vernis à ongles, ombre à paupières. Vraiment un truc de fille quoi. Donc j'ai pris ça, elle était vraiment trop contente. Donc j'y prendrai un comme ça, enfin, j'ai pris celui-là et j'en prendrai un au un chocolat. Enfin, où j'achète des chocolats, parce que moi j'ai déjà le calendrier de l'Avent en maison et je mets les chocolats dedans. Donc du coup, voilà, elles auront un chocolat et elles ouvriront un tour chacune avec Serena, comme ça il n'y a pas de jalouse. Je n'allais pas en acheter deux, il faut être raisonnable aussi. Mais c'est plutôt sympa. Si j'en trouvais un pour Serena un peu rigolo qui fait bébé, que ça soit Action ou autre part, je le prendrais aussi, ça peut être sympa. On va passer à Zeman. J'ai pris quelques petits trucs, vraiment rien de fifou. Mais bon, je tenais à vous les présenter quand même. Donc du coup, pour commencer, à 4,19 centimes, pardon. Des petits élastiques pour Johanna. Parce que comme elle n'a pas beaucoup d'épaisseur quand je fais les petites couettes, j'ai pris des petits. Et très couleur automnale. Voilà, j'aime beaucoup. Je lui ai pris deux collants noirs. Donc un 6-8 ans à 2,29, je cherche les prix chaque fois. Voilà, noir. Voyez, un petit peu comme ceci. Pas épais. Il n'y a pas marqué 50 deniers. Donc vraiment pas trop épais. Mais ça, j'aime beaucoup là pour la mi-saison. Pas besoin d'y mettre des gros en laine parce qu'il fait vraiment pas froid. C'est juste pour protéger un peu les jambes. Et noir, au moins, ça va avec tout. Donc au moins, on est tranquille. Et pour moi, je me suis repris les mêmes collants que je vous avais présentés la dernière fois. 1,49. C'est du 15 deniers. Ils sont super bien. Donc j'en ai pris 3. Voilà. Comme ça, j'ai le stock. J'en ai un. Ça m'en fera 4. Comme je ne me mets pas non plus tous les jours en robe pour tourner, ça sera bien suffisant. Et aux filles, je leur ai pris à chacune le même petit pull sans manches. Comme ceci. C'est trop mignon. Il aurait eu le même adulte. Je l'aurais pris. Oh, je trouve ça mais tellement kiki. Vous savez que moi, j'en ai acheté chez Kiabi. Et mais c'est trop kiki, j'adore. Donc voilà, j'ai pris ça pour mettre avec une petite jupe. Serena, elle a un short qui vient de Sergent Major, un petit peu carreau, vous voyez. Et je pense lui mettre ça, il est marron beige avec ça et un petit col roulé et des petites bottines, trop trop beau. Ça coûtait combien? 8,99€, je l'ai pris en 1 an et demi, 2 ans pour Serena. Et pour Juju, du coup, il est un petit peu plus grand, mais c'est normal. Parce que je lui ai essayé, alors il est un petit peu voilà. Et pour Juju, voilà. Et à Juliana, je lui ai pris un 6-8 ans. Donc vous voyez, des trucs vraiment pas trop chers et qui peuvent faire trop stylé avec les enfants. Donc je suis trop trop contente. Je serai encore plus contente qu'elle quoi. Et on va finir avec mes achats BM, donc Babou. Souvent je dis Babou, mais c'est BM. Donc du coup, là, j'ai que 6 articles à vous présenter. Mais à la base, j'en avais 9. J'ai acheté les fleurs pour le cimetière, vous savez, les fausses fleurs. J'en ai acheté 3 différentes. Du coup, j'en ai acheté 2 à 12,99€ et une à 11,99€. Voilà. Donc je vous mettrai une petite photo. Bon, du coup, ça va être sur la tombe. Je suis désolée, mais c'est juste pour vous montrer les fleurs, en fait. Alors, je la mettrai vraiment un court instant, juste pour que vous voyez les fleurs. Elles sont pas trop grandes, pas trop petites. Et franchement, vu qu'elles vont s'abîmer avec le temps, je ne mets pas trop cher. Mais on les change régulièrement. Donc du coup, voilà. Donc petite parenthèse cimetière, on va dire. Moi, je me suis trouvée... Elles sont trop mignonnes. Alors, j'ai jamais trouvé celle de Action, la grosse que je voulais qui s'allume. Et bien, j'ai trouvé celle-ci chez B&M. Elles étaient juste à côté des trucs Halloween. Même si là, réellement, je ne vais pas les garder 10 ans en déco parce qu'en fin novembre, il y aura Noël. Mais je pourrais les sortir chaque année. Elles sont vraiment trop trop belles. J'en ai pris 2. Hop. Voilà. Franchement, je les trouve trop stylées. Donc, et ça, c'était 3,99€. Donc franchement, c'était pas si cher, je trouve. Et vraiment, elles sont trop trop mignonnes. Ça, je vous montrerai à la fin. Et sinon, on a acheté des bonbons. Donc j'ai acheté 2 paquets de Dragibus comme ceci. Il y en a 300 pièces.
Donc 2 x 300, on va être bon. Et moi j'ai pris aussi des schtroumpfs. Schtroumpfs qui piquent, j'adore. En plus j'aime bien les rouges. Alors je sais pas s'il y a un goût différent, mais je préfère les rouges. Et là 210 pièces par contre. Et ça c'était. Ça c'était 6,49 la boîte. Donc je trouve que ça fait pas très cher 6,49 €, sachant qu'il y a 1,2 kg pratiquement. Donc ça fait pas si cher parce que moi la dernière fois j'ai acheté 2 kg chez Haribo de Dragibus. J'en ai eu pour 13 €, il me semble. Donc vous voyez, c'est pas si cher je trouve. Donc c'est trop cool, il y avait plusieurs bonbons, mais nous ce qu'on aime le plus c'est les Dragibus. Et les schtroumpfs, c'est vrai que ça change. Et comme Halloween arrive, pourquoi pas manger un peu des cochonneries. Et pour finir, j'ai pris un trépied. Voilà, parce que le mien que je filme là commence à se détériorer, on va dire. Bon, je l'avais acheté sur AliExpress. Il marche encore, enfin, il tient bien mon téléphone. Mais le caoutchouc qui tient le téléphone va pas durer 10 ans. Donc je me suis dit, achète-toi-le. Donc celui-là, il était à 9,99 €. Voilà, et il s'allume celui-là. Donc je me dis que ça peut être sympa, il se recharge. Je vais vous montrer. Alors ce qui est bien, c'est que vous voyez, il ne tient pas beaucoup de place. Voilà. Et là, il est mis. Mais franchement, c'est trop stylé. Donc là, vous baissez. Alors, bien sûr, avec les ongles que j'ai, c'est compliqué. Vous voyez, vous sortez les petits pics, il y en a un autre en bas. Et vous voyez, ça allume. Donc vous choisissez l'intensité et la couleur que vous voulez. Et vous restez appuyé. Ça s'éteint. Là, vous avez pour prendre la photo, parce qu'à la base, c'est pour prendre des photos. Voilà, vous pouvez appuyer là pour prendre des photos. Vous avez là pour resserrer ou desserrer. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert pour desserrer quoi. Ah, voilà. C'est sûrement pour faire ça. Je pense. Ah non. C'est pour... Ah, c'est pour serrer ça pour pas que ça bouge. D'accord. Après, bien sûr, vous pouvez tourner. Et voilà. Donc franchement, pour 9,99 €, il a l'air plutôt costaud. J'ai pas déplié. Il a l'air vraiment pas mal pour le prix. De toute façon, moi je ne mets pas trop cher là-dedans. Hein. Je ne suis pas une professionnelle non plus. J'en ai un autre, un grand sur trépied avec l'anneau lumière aussi pour quand je fais des vidéos debout. Mais là, franchement, il va être super bien pour ce que je fais, pour faire les petits hauls comme je fais là en 2-2. Ça sera super. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé de mes achats. Si vous avez trop aimé les petits trucs comme ça. Moi j'aime trop. Ça et mes petites citrouilles, je suis trop trop fan. Je ne sais pas encore quand c'est que je vais aller acheter les trucs de Noël. Je pense bientôt. Parce que là vraiment, je vous conseille BM. Il y a des trucs vraiment super beaux. J'ai pas fait les autres, mais là, vraiment, j'ai vu des choses vraiment magnifiques que je pense craquer. Donc n'hésitez pas à me dire vous. Où c'est que vous allez craquer pour les décorations de Noël et où c'est qu'on pourrait trouver des jolis calendriers de l'Avent, autant pour enfants que pour adultes, à des prix raisonnables. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, ça serait super. Je vous remercie d'avance et je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve très très vite. Mouah.